placé tout au long de la rencontre sur une défense d'Auxerre bien organisée autour de son gardien, Joël Batz, auteur d'un superbe match. Ce n'est qu'à 20 minutes de la fin que les Nantais ont trouvé l'ouverture. Sur cette action, menée par Bosis et par le Yougoslave Ali Lodzic, c'est le jeune Poulain qui va réussir à tromper Batz. Ce petit but va suffire aux Nantais pour conserver leur place de premier en championnat.